Le dahlia est originaire du Mexique. Il a été introduit en Europe au XVIIIe siècle et le but c'était de le manger. Oui, on pensait que ça allait remplacer la pomme de terre, mais devant le goût un peu désagréable et devant les fleurs superbes qu'il produisait, on s'est dit on va en faire une plante d'ornement. Après des années de culture et de sélection par les horticulteurs, on a pu transformer les fleurs de dahlia. On trouve aujourd'hui des fleurs simples, semi-doubles, doubles, aux pétales réguliers ou un peu pointus, et on leur a donné différents noms pour s'y retrouver. Voilà pourquoi ils sont classés dans les magasins en famille. Dahlia cactus, nain de 50 à 80 cm de hauteur, dahlia nain simple à collerette, dahlia cactus qui peuvent atteindre 1 mètre de haut, dahlia décoratif, une plante qui peut atteindre 1 mètre de haut, tout comme les dahlias bâles. Avec l'ensemble de ces catégories, on a des dahlias qui peuvent pousser jusqu'à 30 cm de haut et certains dépasser les 1,50 m de haut. On a vraiment du choix et quant aux coloris, alors là, tout est possible. La plantation se fait au printemps pour avoir les fleurs en été. On les trouve en magasin de février à mai. Ils s'installent en pleine terre de mi-mars à mai lorsque les risques de fortes gelées sont passés. Le dahlia apprécie les terres bien ameublies en profondeur, riches et restant fraîches en été et surtout en exposition plein soleil. On va ajouter du terreau avec la terre de plantation si le sol est un peu lourd. Que vous les installiez en pleine terre, c'est le plus courant, ou dans un gros pot, pourquoi pas, eh bien on va enterrer les tubercules d'environ 10 à 15 cm de profondeur. Recouvrez est assez bien. Ensuite, vous pourrez arroser copieusement. Par la suite, nettoyez le pied pour éviter la concurrence d'autres herbes. Attention aux limaces qui adorent les dahlias. Le plus simple, c'est de pailler l'emplacement. Vous limitez ainsi les arrosages et l'arrivée des herbes indésirables. Et n'oubliez pas de mettre un repère pour vous souvenir de son emplacement, au moins le temps qu'il se mette à pousser. Dès l'arrivée de l'hiver, bon ça c'est plus tard, hein, vous couperez les tiges et vous rentrerez les tubercules qui craignent le froid. On les rentre dans un lieu hors gel et à l'obscurité. Mais en attendant, vous allez pouvoir profiter de toutes les fleurs de vos dahlias.